Salut les gars les filles, j'ai décidé de faire un autre tuto des gants, car il y a encore des questions, vous avez encore des questions et des doutes par rapport au pouce, c'est pas très clair par rapport à mes gants que j'avais fait, et aussi j'ai profité pour faire un montage tubulaire, vous allez voir, ça fait plus solide, ça fait plus sympa, donc bon, j'espère que ce modèle va être plus simple à comprendre, et que ça va aller, que ça va vous plaire. Donc on va faire tout ça ensemble et voilà, j'espère que ça va le faire. J'utilisais de la laine de deux couleurs, des aiguilles du 3,5 et du 4, une épingle à tricot, une aiguille à coudre de la laine et des ciseaux. Alors je vais vous montrer le patron que j'ai fait moi et je vais essayer de vous expliquer plus clairement pour les nouvelles ou pour celles qui n'ont pas très bien compris. Donc le gant, on le tricote ouvert, comme ça, d'accord, à plat. Et donc on calcule, je vous laisserai si vous ne savez pas calculer, on calcule par rapport au poignet de la personne. Les mailles qu'il faut mettre, donc moi c'est 32 mailles. Et je vais tricoter, donc je vais faire le montage tubulaire. Et on va faire 8 rangées. Mais en vérité, enfin vous allez voir... Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc les 8 rangées que vous voyez ici. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rangées des tubulaires. Mais en vérité, on va tricoter que la maille à l'endroit. Donc en fait, c'est pas 8 rangées, c'est une rangée à l'endroit, une rangée à l'endroit. Ça fait en fait 2 fois. Donc en fait, ça fait 8 rangées qu'on voit là. Mais en vérité, vous allez faire 16 rangées, puisqu'on va tricoter qu'une maille sur deux. On tricote que celle à l'endroit. Donc, une fois qu'on a fait ces 8 rangées, on va dire, ou 16 rangées de tubulaires, après je vais faire 2 avec des cônes normales. C'est-à-dire en tricotant la maille à l'endroit et la maille à l'envers. Donc en tout, on va avoir 10 rangées. D'accord? De côtes, on va dire. Alors, une fois que j'ai fait, qu'on a fait les 10 rangées de côte. Moi, je vais vous faire donc le patron de ce gant-là avec les petites bandes des couleurs. Donc après ça, on va tricoter en jersey. Donc moi, j'ai fait 2 rangées en violet, en jersey. Donc après, c'est tout du jersey. Donc c'est une rangée à l'endroit et une rangée à l'envers. Donc 2 violets. Après j'ai fait 6 rangées du rose. C'est les rangées là. Après 2 en violet. Ça va vous. Comme ça va peut-être plus simple aussi pour comprendre, enfin pour savoir combien de rangées il faut faire. Puisque vous aimez bien savoir combien de rangées il faut faire à chaque fois. Donc dans ce modèle, ça sera plus simple à compter. Et après, là, je n'ai fait 6 avant le pouce. Donc 6 en rose. Après les deux violettes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6. Et quand on a fait ces 6, là, on va faire le pouce. Donc, comme je vous disais, le pouce, ça vous posait problème à beaucoup d'entre vous. Donc là, on va faire le pouce plus simple, c'est-à-dire on va les faire au centre. Alors, on va compter. On est bien d'accord que la moitié des 32, c'est 16. Donc, on va diviser de manière imaginaire. Voilà, là. On va diviser notre travail en deux. Donc, en deux moitiés. Et on est bien d'accord, ça fait 16 mailles de chaque côté. Donc dans 16 mailles, dans ces 16 mailles de chaque côté, on va calculer, voilà, le milieu il est là, et ben on va dire qu'on va prendre 2 mailles à droite et 2 mailles à gauche du milieu. Donc on va compter, on va tricoter. Quand on arrive donc à la rangée du pouce, on va tricoter 14 mailles. Voilà. 14 mailles. Ça fait 2, on s'arrête 2 avant le milieu. Et après, on va prendre ces 4 mailles, donc les 2 à droite et 2 à gauche du centre, pour faire le pouce. On va le faire tout au centre de notre gant. Donc,
On est bien d'accord que là, les mailles, on doit prendre la maille 15, la 16, la 17 et la 18. Donc, c'est là que ça va être notre pouce. Et après, on continue normalement à tricoter. Et là, on aura le pouce au centre. Comme ça, on n'aura pas de problème de main droite et de main gauche. Alors, une fois qu'on a fait donc le pouce, eh bien, on continue. Donc, j'ai fait encore deux rangées en rose. Voilà. Après, j'ai fait deux rangées en violet. Et après, j'ai fait huit rangées encore en rose avant d'arriver au niveau de tous les doigts. Tous les doigts qui n'ont rien à voir avec le pouce, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi qui vous demandez pourquoi on divise en 4 pour 4 doigts et le pouce, alors on fait quoi avec? Ben, le pouce, c'est rien à voir, puisque le pouce là, on a le trou là au milieu, il n'a rien à voir avec les 4 doigts qui sont en haut. Donc quand on arrive, voilà, quand on a fait les 8 rangées après, on arrive au niveau des doigts et là on va plier notre travail et voilà, ça va nous donner ça. D'accord, le pouce, et eh ben il sera, vous voyez, il sera au centre, donc on peut le mettre ou à la main droite ou à la main gauche. Voilà, c'est une autre option pour le faire, c'est plus simple. Voilà, il est au centre. D'accord, et c'est rien à voir avec avec les autres doigts, comme je vous dis. Bon, je crois que c'est bon. Là, je crois que j'ai tout expliqué pour l'instant. Ça, évidemment, c'est pour une main comme la mienne, donc ne me demandez pas la taille. La taille, bah, vous calculez selon la main que vous allez tricoter. Seulement, il faut savoir qu'il faut que ce soit un nombre de mailles qu'on peut diviser par 4, puisqu'il y a les 4 doigts. Les côtes, si vous voulez le faire, que le gant il aille plus loin, plus long, on va dire. Eh bien, le pouce, vous le faites après les mailles qu'on a fait là, après les rangées. Et si vous voulez que ça soit plus court, et ben vous le faites avant, tout simplement. Donc maintenant, dans la pratique, ça c'était la théorie, dans la pratique, et ben on va monter notre rang de mailles de la façon facile, comme je l'appelle. Donc comme je vous disais, les mailles, il faut que ça soit, on puisse diviser, d'accord, que ça soit un nombre, que ça soit divisable, qu'on puisse diviser par 4. Et après, on va tricoter une à l'endroit et une à l'envers qu'on passe sans la tricoter. Direct, comme ça. On tricote celle à l'endroit. Donc c'est une maille endroit et une maille envers, mais on tricote que celle à l'endroit. Donc on est bien d'accord que là, on va tricoter. Comme on tricote que les mailles à l'endroit, qu'une maille sur deux. Voilà, on va jusqu'au bout. Et quand on revient, on tricote l'autre côté. Donc c'est comme ça qu'on fait. On tricote en double, mais qu'en fait il faut deux allers-retours, on va dire, pour faire une rangée. Donc une fois qu'on a fait, moi j'ai fait donc 16 allers-retours et ça fait 8 rangées. Donc une fois que j'ai fait ça, après j'ai fait, voilà, quand c'est le premier gant, et ben vous comptez. Quand c'est le deuxième, vous pouvez le mettre comme ça sur le premier et vous voyez là, on va tricoter 2 rangées en tricotant toutes les mailles. Donc on tricote celle à l'endroit et on tricote celle à l'envers. Donc là on fait bien une rangée comme ça. Là c'est une vraie rangée puisqu'on tricote toutes les mailles à l'endroit et à l'envers. Voilà, faut pas oublier de la tricoter, celle à l'envers. Et quand on arrive au bout, et ben la rangée suivante, on fait pareil, on tricote toutes les mailles et à l'endroit et à l'envers. Après, je n'ai pas dit tout à l'heure, non, ça c'était avec les aiguilles du 3,5. Là, on va changer d'aiguille, on va prendre l'aiguille du 4. Donc si vous voulez faire sans couleur, sans changer les couleurs, ben, vous tricotez directement toute la rangée à l'endroit. Si vous changez de couleur comme moi pour faire les petites bandes, eh ben, on prend la laine de l'autre couleur que vous voulez et là on tricote toutes les mailles à l'endroit. On va jusqu'au bout et la rangée suivante, on la tricote à l'envers avec la même couleur. On va jusqu'au bout, là on coupe
on fait deux nœuds, puisque moi je veux deux petits nœuds après pour coudre à la fin. Voilà, et là on va prendre le fil rose qu'on n'avait pas coupé tout à l'heure et on va continuer à tricoter normalement. Pareil, du jersey, c'est-à-dire une rangée à l'endroit et une rangée à l'envers. On va jusqu'au bout. Et on va faire, voilà, quand on revient, vous voyez un peu ce que ça donne. Vous pouvez comparer avec l'autre gant si vous avez fait, si c'est le deuxième, voilà, pour voir que c'est bien pareil. Et là, on va continuer, on va changer les couleurs quand il faut, comme on a fait tout à l'heure, jusqu'au qu'on arrive au niveau du pouce. Donc on a notre patron pour savoir combien de rangées il faut faire. Donc une fois qu'on est arrivé au niveau du pouce, quand c'est le deuxième gant, eh ben, on peut le mettre comme ça sur le premier pour voir qu'on est arrivé au niveau du pouce. On peut compter les mailles aussi avec le patron, d'accord, pour pas se tromper. Et quand c'est le premier gant, on peut le mettre, voilà, de cette façon pour voir si les côtes, voilà, on les veut plus hautes ou plus, enfin je veux dire, si on veut que le gant il soit plus long ou plus court. Et là donc, on va faire le pouce au centre. Donc on va compter les mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et on s'arrête là, puisque on va prendre les 4 mailles. Donc là, 15, 16, 17, 18, on avait dit. Et on le fait dans le sens de l'aiguille. D'accord? On le prend de gauche à droite. C'est mieux pour après. Donc si vous n'arrivez pas parce qu'il y a l'aiguille, vous le prenez, voilà, à la base de la maille. De gauche à droite, on les met dans l'épingle. On sort tout ça et on le laisse là, on attend. Et ces 4 mailles qu'on a pris, eh ben on va les remonter, voilà, de la même façon qu'on a fait au début. 1, 2, 3 et 4. C'est comme ça, on n'a perdu aucune maille. On continue en serrant bien, sinon vous aurez un gros trou après. Voilà, on continue à tricoter à l'endroit et vous arrivez jusqu'au bout. Quand on revient, eh ben on fait à l'envers. Et quand on arrive au niveau de 4 mailles qu'on a montées, ben ça va être plus large évidemment, puisque c'est comme le début quand on monte les mailles. Mais voilà, faut faire attention de ne pas les perdre. Et voilà, on tricote normalement à l'envers. Et on continue. Et on continue normalement. Voilà, une rangée à l'endroit et une rangée à l'envers. Quand on arrive, vous voyez, nous avons le trou pour le pouce. Alors, pour savoir quand c'est le premier gant, quand est-ce qu'on arrive au niveau des doigts, et ben on fait comme ça, on met le pouce dedans, et on sait quand on arrive au niveau des doigts. Et vous voyez, on peut le mettre ou à la main droite ou à la main gauche. On a exactement le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, vous pouvez, voilà, vérifier avec le premier gant. Si c'est le deuxième, voilà, on va faire les 4 doigts. Donc le pouce, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a beaucoup d'entre vous qui me dites comment faire, voilà, le pouce, pourquoi on compte pas avec les 4 doigts. Et parce que le pouce, vous voyez, voilà, on a pris 4 mailles là, on les a remontées, donc je veux dire, c'est comme si on n'avait rien fait. Hein, faut pas tenir compte de ça. Donc en fait, on va diviser à 1, on va diviser tout pour que ça soit en 4. C'est pour ça que quand on monte les mailles, il faut que ça soit divisé, et qu'on puisse diviser par 4 le nombre des mailles. D'accord? Je sais pas si c'est clair ça, mais voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre pas l'aiguille du 4 qu'on était en train de tricoter, on va prendre celle avec laquelle on a fait les côtes. D'accord? Donc 3,5. Si vous en avez plus sûr de 4, bah, vous prenez la même. Hein. Moi, comme je n'ai pas plus sûr de 4, bah, je prends celle du 3,5.
Et donc là, on va tricoter la moitié. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Là, oui, on divise en deux, d'accord? Voilà, on partage en deux le travail. On va le plier de cette façon. Et là, voilà, le gant, il a pris forme. Et maintenant, on va faire donc les quatre doigts. Donc là, bon, c'est un petit peu difficile quand on commence. Parce qu'il faut tenir les deux aiguilles avec la même main. Et on prend donc l'autre aiguille du 4. D'accord, qu'on avait. Puisque là, on est d'accord, c'était une de 4, une de 3,5. Et on va prendre une maille devant, une maille derrière. Celle de devant, c'est à l'endroit, on la tricote. Celle de derrière, c'est à l'envers, on la tricote pas. Voilà, celle de devant, on la tricote et on la sort. On met le fil en haut. On prend une de l'aiguille derrière, qui est à l'envers. On la sort sans la tricoter. On met le fil en bas. On prend devant. C'est vrai que bon, là, il faut faire attention de ne pas perdre les mailles. Il faut aller doucement, mais on y arrive. Donc on est bien d'accord, celle de devant à l'endroit où on la tricote, celle de derrière c'est à l'envers et on ne la tricote pas. Parce qu'il y en a beaucoup aussi, vous me demandez pourquoi quand vous faites ça, après le travail est fermé, c'est parce que quelque part vous avez tricoté toutes les mailles. Là il ne faut pas tricoter à l'envers, sinon ça ferme. Et de cette façon ça va rester ouvert. Quand on arrive au bout, eh bien voilà, on a fini. C'est à l'endroit, on enlève l'aiguille et c'est à l'envers. Voilà, et donc on a tout sur une aiguille. À partir de là, on va reprendre donc l'aiguille du 4 et on va tricoter les doigts un par un. Donc on commence en faisant la maille à l'endroit, on la tricote, la maille à l'envers, on ne la tricote pas. Et comme ça, on va faire 8 mailles. Et là, on aura tricoté que c'est là l'endroit, on est bien d'accord. Donc, on a fait un demi-doigt, hein, qu'un côté du doigt. Donc après, quand on va retourner, on va tricoter l'autre côté. Ça faisait, si on faisait en rond, ça ferait la moitié de la rangée. Et là, voilà, on retourne le travail et on va tricoter l'autre moitié. C'est comme si on tricotait en rond, mais en fait, on tricote à plat. Donc c'est pour ça qu'on fait une moitié et après l'autre moitié. Et voilà, et là on fait à l'endroit et c'est à l'envers, on ne la tricote pas. Donc là on a fait deux rangées si vous voulez, mais en vérité on n'en a fait qu'une. Voilà, et arrivé au bout, bien on change. Et on continue. Donc il y a tout le reste qui va rester là en attente et on va faire que ce doigt qui va être le petit doigt. Donc on va tricoter donc ces 8 mailles. Voilà, jusqu'au temps que on arrive à la longueur du petit doigt en question. Voilà, il est là. Et une fois qu'on est là, on retourne comme ça pour que l'aiguille soit de gauche à droite, on va dire, que la pointe soit vers la droite. Il faut que les mailles, en fait, vous voyez, que la première maille soit à l'endroit, vers vous. Enfin, la première maille, voilà, que vous avez, que ça soit à l'endroit. Donc, vous coupez le fil, vous mettez l'aiguille à coudre de la laine, et là, on va fermer donc le doigt. Alors là, il faut faire très attention aussi. Donc, comme vous voyez, c'est celle à l'endroit et celle à l'envers. Le fil, il est derrière. Vous voyez? Le fil, il est derrière, parce que là, il faut faire attention aussi, sinon vous allez perdre les mailles. On sort l'aiguille. On fait son triste attention. On écarte les mailles. Vous voyez? On a tricoté en double, donc c'est vide à l'intérieur. Et là, on va mettre de droite à gauche. On va prendre
les 4 mailles d'un côté, voilà, on passe, voilà pour que vous voyez bien, voilà, et après on revient, voilà, on prend comme un en cercle, d'accord, on fait des tours de toutes les mailles, on va le prendre en cercle comme ça, et on tire fort, et voilà, le doigt est fermé. Après on n'a plus qu'à mettre, on va laisser pour l'instant comme ça, ça va pas partir, on va faire tous les doigts, et après ben, on pourrait finir de coudre à l'intérieur, tous ces petits bouts de fil. Donc on va prendre le fil, on va laisser un long morceau, et on va commencer à faire encore 8 mailles, de la même façon, on va faire le doigt suivant. Là ça serait l'annulaire. Voilà, et donc on tricote celle à l'endroit et celle à l'envers, on ne la tricote pas. On finit toujours avec une maille à l'envers. On retourne le travail. Et on continue à tricoter ce doigt-là. Voilà, et tout le reste va arriver en attente. Donc, elle a toujours bien pensé à ne pas tricoter celle à l'envers. Et vous voyez, on va faire le doigt suivant de cette façon. Après, on fera les 8 suivantes, après les 8 suivants. Et on fera les 4 doigts. Une fois qu'on a fait les 4 doigts, on va faire le pouce. Donc, le pouce, voilà. Moi, j'ai pris 4 mailles, mais vous pouvez prendre 5. Donc, même si vous prenez une maille qui est plus à droite ou plus à gauche, c'est pas grave. Donc, on va prendre, vous voyez, celle d'en haut, c'est 1, 2, 3 et 4. Donc, là, on va faire pour que ça fasse comme les autres doigts. On va prendre une maille à l'endroit qui est sur l'épingle et une maille en haut qui sera celle à l'envers. Donc, pour prendre les mailles là, c'est mieux de les prendre à la base. Voilà. Donc, on prend une maille sur l'épingle, on la sort. Ça serait celle à l'endroit. Et maintenant, on va voir si vous voyez bien. Voilà, on va prendre dans les 4 à 11. Donc on prend une à 11, ça serait à l'envers. On prend une en bas, sur l'aiguille ou sur l'épingle, voilà, ça serait à l'endroit. Et une à 11, là, voilà, ça serait l'envers. Une sur l'aiguille. On la sort et on prend une à 11 qui sera l'envers. Et la dernière en bas, voilà, et la dernière en haut qui est là, voilà, qui est à l'envers. Voilà, et donc nous nous retrouvons comme les autres doigts, 8 mailles, une à l'endroit qu'on va tricoter et une à l'envers qu'on ne va pas tricoter. On laisse un bout de fil et on commence, voilà, à tricoter le pouce. Voilà. Donc elle a très attention de ne pas tricoter, c'est là l'envers. C'est pour ça que des fois vous me dites ouais, je comprends pas, mes doigts ils sont fermés, j'arrive pas à mettre les doigts dedans. C'est parce que vous avez tricoté, sûrement c'est là l'envers. Il n'y a pas d'autre explication. Voilà, et donc de cette façon, ben, on va tricoter jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur du pouce. Voilà, et donc le petit fil, comme je vous dis à chaque fois qu'on commande ça un doigt, je vous dis c'est de laisser un bout de fil, voilà, celui-là, c'est parce que, voilà, c'est normal aussi, quand vous me demandez, est-ce que c'est normal que j'ai des trous entre les dents, entre les doigts. Eh bien oui, c'est normal, il y a des trous entre les doigts parce que c'est le début, voilà, après avec le fil, justement, de l'autre côté, à l'envers, eh ben, on coud et voilà, on rassemble tout ça. C'est normal. Et avec le fil du bout du doigt, eh ben, on le passe à l'intérieur et on coud aussi, on coud le côté
Et voilà, nous avons les gants qu'on peut mettre ou à la main droite ou à la main gauche. Et voilà, donc j'espère que c'était assez simple, enfin assez clair pour comprendre, que cette fois-ci c'est vraiment clair. Et même pour les débutantes. Et bon, ben voilà, si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt!